Gide a accordé beaucoup d'importance au Faux Monnayeur, qu'il considère comme son seul roman. Mais pourtant, et de façon un peu étrange aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre qu'il a considérée lui-même comme la plus importante. Il a vraiment insisté sur ce point. Pour lui, c'est indéniablement Coridon qui demeure l'œuvre saillante de sa carrière d'écrivain. Il dit de Coridon la chose suivante, c'est l'ouvrage le plus important qu'il estime être de plus grand service pour le progrès de l'humanité. Alors si on parle de Coridon avant de revenir aux Faux Monnayeurs, c'est parce qu'en fait les Faux Monnayeurs s'inscrivent pour Gide dans une trilogie. Une trilogie qu'on considère aujourd'hui comme une défense et illustration de l'homosexualité. Coridon incarne le versant théorique de cette défense de l'homosexualité. Si le grain ne meurt, publié en 1921, incarne la dimension autobiographique, c'est l'histoire de la découverte par Gide de son homosexualité. Et les Faux Monnayeurs constituent le versant romanesque de cette trilogie. Aujourd'hui, c'est bien les Faux Monnayeurs qui est considéré comme l'œuvre la plus importante de Gide et la plus étudiée. On peut rappeler rapidement qu'elle a été au programme à deux reprises de l'agrégation de lettres modernes en 1992 et plus récemment en 2013. Elle a aussi fait l'objet d'un téléfilm de Benoît Jacquot en 2010. Et de fait, dès son époque, c'est une œuvre qui a marqué l'époque. En tout cas, c'est une œuvre qui n'a pas laissé ni le public ni la critique indifférents. Dans l'ensemble, c'est une œuvre qui a été accueillie de façon plutôt négative. Alors si on examine un petit peu la nature de ces critiques, elles se répartissent en deux groupes. Il y a d'abord toutes les critiques qui concernent l'esthétique, c'est-à-dire la poétique de l'œuvre, la construction de l'œuvre. On lui reproche d'abord d'être en fait non pas un roman, mais un livre de critique, c'est-à-dire un livre presque trop intelligent, hein, c'est une remarque qu'on trouve de façon récurrente, un livre trop intelligent qui est un livre de critique et finalement un roman raté. Parallèlement à ce premier reproche qui concerne l'esthétique, un autre reproche concerne, toujours hein, relativement à la construction de l'œuvre, le manque de composition du roman. On reproche aux Faux Monnayeurs de manquer de cohérence, de cohésion, de présenter des personnages monotones qui ne présentent pas de logique. Ça, c'est le premier ensemble de remarques critiques qui concernent véritablement la construction de l'œuvre. Parallèlement à ces critiques, on trouve également un ensemble de reproches qui concernent davantage la dimension éthique, c'est-à-dire la vision du monde, la vision de l'homme que véhicule le roman. On reproche, pour commencer à Gide, la place qu'occupe l'homosexualité dans l'œuvre. Alors, c'est un reproche récurrent chez Gide, hein, qu'on retrouve notamment depuis l'Immoraliste, depuis 1902. On reproche à Gide d'écrire des œuvres, et ici un roman immoral. On lui reproche même de faire une apologie du vice en action, et là je cite des critiques de l'époque, dont le corpus est aujourd'hui facilement accessible, et on reproche à l'œuvre de relever davantage de la correctionnelle que de la littérature. Je cite toujours le même critique. André Thérive, un critique réputé de l'époque, va même jusqu'à traiter l'écrivain, le romancier, de démoniaque. Voilà le deuxième ensemble de critiques donc, qui concerne davantage la vision du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre divise, on l'a dit, c'est que souvent ces reproches-là sont retournés et sont pour d'autres critiques autant de motifs d'éloge pour le romancier des Faux Monnayeurs. Les critiques sont donc réversibles. Par exemple, certains, Ramon Fernandez notamment, sont sensibles justement à cette dimension réflexive de l'œuvre, c'est-à-dire qu'ils complimentent le romancier pour avoir écrit non seulement un roman, mais aussi finalement une forme d'essai. On complimente le romancier pour son aptitude à se faire également essayiste. D'autres le complimentent également sur la dimension esthétique du point de vue de la construction de l'œuvre. Albert Thibaudet, qui est l'un des grands critiques littéraires de l'époque, hein, qui a notamment beaucoup collaboré à la Nouvelle Revue française,
s'enthousiasme pour le roman de Gide et il complimente Gide pour l'intelligence, l'ordre, l'harmonie de son récit. On voit donc que finalement, la critique n'est pas d'accord sur la lecture à faire du roman, mais c'est souvent le signe que justement c'est une grande œuvre. On considère qu'elle marque l'histoire du roman. L'œuvre constitue véritablement une rupture dans l'histoire du roman. Elle a exercé une influence très importante, notamment sur ceux qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux romanciers, c'est-à-dire, pour n'en citer que quelques-uns, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor. Les futurs nouveaux romanciers ont été très sensibles à plusieurs éléments relatifs à la structure de l'œuvre. Le premier élément qui les a interpellés, c'est le choix d'une intrigue non linéaire, le fait que Gide prenne ses libertés et joue avec la chronologie. Le deuxième élément qu'on retrouvera dans leur roman et qui a joué une influence indéniable, c'est le refus d'un narrateur traditionnel, réaliste et omniscient. Mais sans conteste, l'élément auquel ils ont été le plus sensibles, c'est l'extension que Gide a donnée au procédé de la mise en abîme, le roman dans le roman, la place que ce procédé occupe dans les faux-monnayeurs, a ouvert la voie à ce qu'on appelle aujourd'hui les romans autoréflexifs de ces nouveaux romanciers. Alors, avant les nouveaux romanciers, il y a plusieurs romanciers français et même étrangers qui ont repris ce procédé de la mise en abîme, alors sans qu'on puisse établir véritablement de filiation directe, mais Gide a indéniablement joué un rôle dans la diffusion de ce procédé, par exemple chez Aragon, dans Les Voyageurs de l'Impérial, où il reprend ce procédé de la mise en abîme avec le personnage de Pierre Mercadier, qui se trouve lui-même l'objet d'une nouvelle, Mirador, ou un petit peu avant, chez un écrivain britannique, Aldous Huxley, dans Contrepoint. Là aussi, on s'interroge sur l'influence éventuelle des faux-monnayeurs de Gide. On peut s'intéresser également à la réception, à l'influence de ce roman aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'œuvre continue de fasciner et d'intéresser dans deux directions principales. La première, c'est cette réflexivité du roman, c'est-à-dire toujours ce procédé de la mise en abîme, du roman dans le roman, qui continue de fasciner les écrivains et leur public. Mais la deuxième dimension, et c'est peut-être un petit peu plus neuf, ce sont en fait les questions sociales et morales que pose Gide dans son roman, et notamment tout ce qui concerne l'homosexualité. En effet, Gide, au moment où il écrit, l'homosexualité est encore considérée comme un délit, ce le sera jusqu'en 1982, et les questions que Gide pose, la manière dont il représente l'homosexualité, n'est pas sans faire écho à la représentation d'autres minorités, pas forcément sexuelle, aujourd'hui. Et donc toutes ces questions-là rencontrent un écho qui explique en partie l'engouement que peut rencontrer le roman aujourd'hui. Et c'est important de le souligner aussi, il y a une autre forme de survivance de l'œuvre dans le grand public, mais aussi au niveau de la presse et auprès des hommes politiques, puisque très régulièrement, des citations, souvent aphoristiques, sont extraites de l'œuvre pour être introduite dans des articles ou dans des discours politiques. Et de ce point de vue-là, on peut signaler, pour terminer, de manière un petit peu plus anecdotique, mais non moins significative, le fait qu'Angela Merkel, le 8 novembre 2014, dans un discours qu'elle fait pour commémorer la chute du mur de Berlin, elle cite un aphorisme des faux-monnayeurs qui est prononcé par Édouard à Bernard. C'est le suivant: on ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue, d'abord et longtemps, tout rivage. Et en fait, elle se sert de cet aphorisme, donc de cette phrase généralisatrice et sentencieuse d'Édouard, qu'Édouard prononce dans Les Faux-Monnayeurs, pour inciter ses interlocuteurs au courage et à la liberté dans le domaine politique. Donc voilà un type de survivance, peut-être plus anecdotique, mais qu'on trouve de manière récurrente aujourd'hui dans les médias et le milieu politique.